vite Ginola, encore avec la poitrine comme tout à l'heure. Cette fois-ci, la balle est restée dans les limites du champ de jeu. Ginola face à Ferrer. Et magnifico, bien fait. Oui, voilà, la transversale. La barre sur ce somptueux coup de tête de Georges Weah. Juste l'angle du but. Juste l'angle du but sur ce centre parfaitement dosé. Il monte George et il frappe. Et l'angle de la transversale et du poteau. Je ne sais pas s'il était battu Busquets car il était placé dans ce coin-là. Mais enfin c'est une belle occasion pour le Paris Saint-Germain. Face à Bravo. Ah, il est pas en jeu. Attention, pas de faute. Wittgenstein était sur la ligne. La balle a filé devant le but et va sortir en sortie de but. Hadji, loin devant, encore pour Stoïkov et encore. Oh là là. Oh, quelle horreur. Rai qui est revenu se remettre en jeu face à Baquero. Pas de hors-jeu. Allez, David, allez. Oh, mais là, faut encore la transversale. Sur le haut de la barre cette fois-ci. Ballon en retrait, Eusebio pour Nadal. Contré par Weah qui a un petit peu de champ là. Face à Koeman. Allez, George, un but. Allez, pas en pied gauche. Allez, George. À côté. Juste à côté que c'était bien fait. Et au départ, un crochet qui laisse Koeman sur place. Weah a choisi la solution individuelle. Bien fait, tête de Valdo qui a prolongé. Aile de pigeon. Allez, au contact. Oui, faut y aller. Nadal. Oui, Valdo. Oui. Oh, le poteau encore. Mais c'est pas vrai. Trois poteaux en une mi-temps. C'est pas fini, Colletter, il a fait faute. Oh là là, trois poteaux, deux transversales et un poteau. Ça chauffe. Mais... Guérin, bien joué. Dans le sens de la course de Ginola, face à Ferrer, encore passé. Et faute, monsieur l'arbitre. Accroché par le maillot, mais il est passé quand même, mais l'a freiné. Non, il n'est pas passé Thierry, il serait à la ligne de but là déjà. Centre derrière. Ouais. Ah, encore sur le haut de la barre. Hein. Oui. Il l'a touché, Busquets. Ça devient dangereux, ça se rapproche du but de Bernard Lama. C'est frappé et c'est but. Et c'est but de Baquero. Et quel but silence de ici. Baquero sur ce coup franc de Ronald Koeman. Comme à la parade de Baquero ouvre le score. Et ils étaient bien placés les Catalans depuis le début de cette reprise. Et c'est maintenant donc le Barça qui a mis ce fameux but à l'extérieur et qui se trouve en position de qualification dans ce quart de finale de la Ligue des Champions. Merci, donc là c'est le contraire, on va faire rentrer, merci Pascal, un attaquant pour un défenseur. But de Rai Bravo. Voilà, l'égalisation, ça ne pouvait pas continuer comme ça sur ce corner de Paul Le Guen. Et là je vous dis qu'il a... Égalisation de Rai. Pascal, je pense qu'il ne va pas faire rentrer Nouma là, ça m'étonnerait beaucoup hein. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit une égalisation imméritée, non, vraiment. Non, c'est vraiment pas volé de la part des Parisiens qui ont fait un match superbe, d'ailleurs. Et contre une superbe équipe du Barça, pour maintenant. Pour faire un grand match, il faut être deux. Hein. C'est l'égalisation parfaite. Pour l'instant, on est en route vers une prolongation. Valdo. C'est du grand football, ça, c'est du grand football. Allez, Vincent. Guérin, belle frappe. Et but. Oui, Vincent. Allez, Vincent. Formidable, il le mérite 100 fois il mérite ce but. Entre le match aller et le match retour, il est formidable Vincent Guérin. Il est né là, juste derrière cette tribune à Boulogne. Il est né juste là derrière et le voilà qui vient de marquer un but fantastique. Il le mérite car il a été héroïque. Bravo Vincent. S'il y a bien un joueur qui le méritait, c'est lui. Il faut tenir, il marque au bon moment. Elle n'est pas très appuyée, sa frappe, mais elle est merveilleusement placée. Quelle émotion quand il y a eu ce but. Ouais, Quelle émotion. Je crois avoir vu des larmes sur le visage de Joël Batz, Thierry. Et Fernandez n'était pas loin non plus. Georges Weah. Allez. Peut-être le 3. Non, corner concédé par Busquets. Quel spectacle au parc, vraiment. Quel spectacle. Luis, vous voulez une belle soirée,
Elle aura les été Parisiens belle. Et Louis nous ont offert une belle soirée. Et le Barça aussi. Hein. Et on est à combien? Oh là, on est à 46 et 21 secondes. Dernière attaque du Barça. Stoïkov, dégagement de Colletter. Et c'est fini. Oh, bravo le Paris Saint-Germain. Ils ont gagné. Bravo les Parisiens. Superbe.